Salut YouTube, c'est Iris, ton youtubeur et streamer préféré. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur Ekarim qui est revenu. On a eu du coup, il y a eu un nerf des invade jungle qui a été remove. Et du coup, Ekarim redevient extrêmement fort dans la méta. Et on te présente un stuff de fou furieux. Tu verras, c'est une dinguerie. J'espère que la vidéo te plaira. Laisse un petit like, un petit commentaire. Vous êtes entre 60 et 70% à regarder mes vidéos YouTube et à ne pas être abonné. Je vous mets à jour tous les champions du jeu. Donc j'ai 163 playlists sur ma chaîne YouTube sur les 163 champions du jeu. N'hésite pas à aller regarder, à apprendre de la data. Et je fais tous les jours des mises à jour avec des Masters OTP, Grandmaster Challenger. Donc abonne-toi, ça fait plaisir. Je suis évidemment en live avec tous mes sous du chat qui te disent coucou YouTube. Rejoins-nous sur Twitch. Rejoins-nous, tu peux venir poser tes questions, kiffer, jouer avec moi, c'est que du plaisir. Donc voilà, laisse un petit like, un petit commentaire. Abonne-toi aussi à ma chaîne de VOD qui est dans la description ou dans le commentaire épinglé. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous. Tous les jours, je fais venir des GM Chal pour vous faire des vidéos sur des champions. Là, on va tourner Ekarim. L'artwork est immonde, d'ailleurs. Non, mais je sais pas ce qu'ils ont fait, gros. Ils se moquent de nous. Hein. J'ai pas compris. Tombstone, merci pour ce délicieux sub gift. Merci, BG. On va faire les runes d'Ekarim rapidement parce que je suis déjà. Ah oui, c'est vrai. Alors, j'ai oublié. C'est ça. Et ensuite, vous prenez chasseur ingénieux. Voilà. Attends, nous on ne voit pas parce que j'ai encore tout. Ok, donc tu prends phase rush. Donc ça, le stuff tank, enfin les runes quand tu joues un peu tank, etc. Tu vas chercher Nimbus Clock. En fait, tu veux tout ce qui va vite, quoi. La move speed. Et alors, chasseur ingénieux pour stacker la tire plus vite et pour avoir la radiante vertu plus souvent. Et ensuite, voilà, ça, juste l'AD normal. Vous pouvez prendre balise zombie, ça c'est toujours pareil. Cet étage, en vrai, on s'en bat les couilles, genre. Bon, je suis contre l'un de mes plus gros counters. C'est parfait. Ça fait deux fois que je m'auto-counter, c'est game, hein. Kindred, ça counter de fou, et Karim. Ah bah, mine va être beaucoup en early, je vais souffrir. Est-ce que tu veux que je te lise un petit message, là? Comme ça, lis pas le chat. Je veux bien, oui. Hello, je parle pas depuis tout à l'heure, mais la calvitie est gargantuesque. Ok, donc Ekarim, tu starts Corbin et du coup tu prends le smite bleu. Ouais, j'aime beaucoup le smite bleu. Alors en vrai, dans les games où il y a beaucoup de CC, genre tu joues contre une Leona, etc., un petit smite vert, ça met du beurre dans les épinards, tu connais. Ok, ouais, quand il y a des CC, on prend le vert, sinon le bleu en général. Voilà, c'est ça. Ok. Elle a toujours pas invade, il y a Anguille sous roche. Peut-être elle va juste full clear. Hein. J'ai très 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 peur de Kindred. J'ai peur du gank level 2. Ce perso me terrifie en fait, parce que les mecs ont pas de vie et ils font que d'invade niveau 2, etc. Ah, ils sont cringe. Je déteste. C'est-à-dire que c'est un perso dégénéré. Oui. Attends, elle a marqué qui? Je sais pas. Ah, elle a enlevé la marque de toi? What the fuck? Elle m'a démarqué. Mais tu te démarques tout seul, mec. Oh, c'est beau ce que je dis, putain. Oh là là, embrasse-moi. Pardon? Excuse-moi, pardon, je me suis emporté, je suis quoi être en privé. Bon, ça, y a que 170 personnes qui nous regardent. Ok, bah ça va alors. On est entre nous, quoi. Petite Ekarim, vous kitez votre camp. Voilà, elle est sur mon bleu. Voilà, parfait. Elle a pas de vie, on est contente. Elle a que deux camps. Elle a son rouge, mon bleu. Du coup, je peux pas mettre deux points dans le Q. Parce que comme non, ça, normalement, tu prends deux points dans le Q quand tu joues full farm, c'est ça? C'est ça. Mais bon, puisqu'on joue contre un mec qui a pas de vie. C'est vraiment le mec qui se répète, hein, qui est un gros rageux. Hein. Kindred, tu penses quoi du champion, là? Parce que c'est vrai que tu m'en parles pas beaucoup. Genre. En fait, c'est redevenu plus fort puisque ils ont remis le counter jungle. Ouais. Donc c'est plus simple pour Kindred de jouer. D'où le retour d'Ekarim aussi, hein. Un petit peu, ouais. C'est surtout le stuff en vrai, Ekarim. Bah, les masques, hein, mais c'est la aussi... Radiant Vertu n'a pas de sens. Hein. Attends, mais ce stuff avec Radiant Vertu, le mec a des dégâts, il est incroyable. C'est une dinguerie, hein. Ouais. Ok, bon. Là, Kindred a mis une ward dans la jungle aussi. À ce moment, un peu tricky parce que ou elle est assez Corbin, ou elle est bot. Je n'ai aucune info. Elle a fait ses corbins, donc elle arrive au loup, logiquement. Il est beau, le skin. C'est pas grave. Il est... Merci, Justine. Qu'est-ce que c'est? Cette vidéo, elle part en couille. On va montrer un stuff, frérot. La vidéo, elle part en couille et ça me fume. Logiquement, si avec Kindred est un main jungle, ses golems sont up. Voilà. Après, bon, les frérots, on avait vraiment vu Kindred bot, quoi, donc... Je vais juste regarder si on peut dive, je pense pas... Même s'il n'a pas de mana, je pense pas qu'on ait les dégâts pour le one-shot. Ça se fait, là, non? Ah ouais, non, c'est chaud. Ouais. Ah, Il posséderait pas un jalon de vision, lui, dit donc. Non, je pense pas, mais... Non, il a mis une ward, quoi. Ah!
Il a pas la green. Il a pas la green trinket comme je dis. Tu connais la green trinket? C'est la trinket des streamers. Oh, il a bien joué lui. Ça arrive à te mettre. Vas-y, fais bon, il m'a cassé les couilles aussi. Oui, c'est bon, à un moment faut crever. Il veut faire les mécaniques, je joue Flash, je joue Jace comme un coréen là, ça dégage. On est d'accord que Karim, si tu prends de l'avantage early, tu vas détruire la game. Ok, oui, par contre, c'est un perso qui snowball de niquer. Lee Sin, c'était fort là en ce moment aussi. Hein. Qui? Lee Sin. Ok, oui, j'en peux plus. Même moi, je me suis mis à le jouer. Alors que j'ai le pire Lee Sin du serveur. Regarde, c'est genre qu'on dort. Hein. T'es fatiguant. Tu as le smite donc. Même pas, elle a la smite. On se barre avec le phase rush. Et elle est morte! Bien joué elle! Mais elle a invade, elle est contente! Roll blue buff. Bon bah pour Darius. C'est rompi ça, vraiment. Ça n'apporte rien au jeu hein, de faire ça, mais bon. Ça se voit que ça te saoule. Ouais, non, les Kindred, je suis sûr que c'est vraiment des gamins, ça m'énerve. C'est pas grave, on va reprendre ses golems. Hein. Bah ouais, du coup, elle a rien gagné, elle a tout perdu en fait. Hein. Ouais, ouais, bien joué elle. Elle a donné un shutdown et un blue buff à Darius. Hein. Darius qui est déjà bien, je crois, dans la game. Ouais, 2-0. J'aime trop Ekarim, le farm et tout, il est incroyable. Surtout que le power spike choisis Manamune, c'est illégal. On a vu Kindred top. Hein. Ouais, si Darius c'est un gamin, il peut aller la tuer au raid. Ça te ferait plaisir ou pas? Ça me ferait extrêmement plaisir. J'avais lu ping au raid, mon pote. Non, Baron, là, ça se joue. Hein. S'il vous plaît, hein. S'il vous plaît, hein. C'est bon, il te suit, c'est vieux. Hop, ça c'est mon smite, cochon. On attends, mais en plus, t'as eu le Drake? Ouais. Ok, ça tue quoi? La Annie a flash T-Burt, mon père. Aïe aïe aïe. La Zeri est pas restée dans l'ult. Bah, elle aurait dû rester dans l'ult, ouais. Fous de notre gueule. Ma botlane s'est foutue de ma gueule. Encore un Q? Pitié. Flash. Ah, Yumi. Yumi. Allez, bon, on contrôle pas ses alliés. Voilà, ça c'est l'exemple typique de vous ne pouvez pas contrôler vos alliés en solo Q. Oh, le flash T-Burt sur mon père, je connaissais pas. Il a été stun ou pas? Mais mon père est mort là, je crois. On est où là? Bon, on a eu le Drake. En vrai, ça fait 2 pour 1, c'est correct. Parce qu'on casse un peu leur snowball des Drake, etc. Donc c'est cool. Mais... J'ai un mec dans le chat qui me dit que lui, il joue Morgana et qui prend vraiment du plaisir et que ça se passe bien avec Morgana. Est-ce que tu lui conseilles de continuer en jungle? Alors, Morgana jungle, c'est correct. Premier degré, je le joue aussi, mais dans des match-ups très spécifiques. Je joue Morgana contre Vi. Je joue Morgana contre Karthus ou Lilia. Putain, contre Lilia, t'es vraiment un raciste. C'est cool. Complètement. Bon, bah, bien joué à Kindred, hein, qui fait vraiment une super game. Hein, mais qui force un petit peu. Oh, lâche ça, lâche ça. On me demande un avis sur Rek'Sai. Nul. Je n'arrive pas à gagner avec Rek'Sai. Pourtant. C'est un truc d'OTP, quoi. Il y a des bons OTP qui pourraient être bons dessus, quoi. Mais ça s'arrête là, quoi. J'ai été au TP Rek'Sai pendant 2 ans, enfin tout trick avec Elise. T'es connu pour Rek'Sai Elise, je n'arrive plus à gagner avec Rek'Sai. La nouvelle Rek'Sai, je n'arrive pas. Ouais ouais, ça scale vraiment bien actuellement. Après bon, là on va faire la Radiant Virtue parce que tu m'as demandé, mais vous faites une Eclipse à la place, c'est très bien aussi. Hein. Oui oui, en fait ça dépend comment vous êtes dans la game et quel objectif vous avez dans la game quoi. Non, les T-Burst dans ma chambre, va falloir arrêter par contre. Ah dommage. Ah non, ça devient fatigant par contre la Annie. Hein. Bon, c'est pas grave, on tue. En vrai, c'est pas grave pour une autre raison aussi, c'est que l'ulti Kindred, c'est quand même 3 minutes de cooldown. Ok. Genre, c'est vraiment énorme, donc elle l'aura pas pour le Drake. Oh là, j'aime pas du tout ce dive. Oui. Ah, fallait pas avoir back plus vite pour voir que c'était nul. Hein. Surtout que là, quand même, on a un bon elo, on est quand même un bon elo là, en vrai, donc. En vrai, puisque je suis en chain win, ouais, le MMR remonte très très vite. Genre là, il y a du 500 LP plus ou moins, donc ça va. On va tenter le 1v1 sur Cassio parce qu'on se fait un peu chier dans la game. On dodge l'ulti, on connaît. Ah bah là tu l'as massacré. La régène est. Bon après je lui ai vraiment marché dessus par contre. Je n'ai pas pris un seul de ses spells. Oh la pauvre. Oh putain, en vrai ce que je l'ai mis c'est une dinguerie. Hein. Je sais pas si tu te rends compte mais bon. Elle a rien tué, elle a tué un ou deux spells max. Et j'ai même pas eu le temps dans l'histoire du coup. Parce que j'ai tout dodge. Le farm est incroyable. Je sais pas combien tu mets de CS déjà au jungler adverse là mais. 40 ouais. Comme la game d'avant. Pourtant je suis pas Karthus. Hein. Yo, bienvenue à vous. Bienvenue à tous les gars, n'hésitez pas au follow si vous découvrez. Et là on va avoir le power spike Manamune.
On n'aura pas la Shojin, il va avoir la Malamute stackée. C'est pour ça que vous la faites en premier, parce qu'en fait, vraiment, avec... Et là, j'ai pas encore trop de stacks de chasseurs ingénieux, mais si j'avais eu plus de chance sur les stacks, la Malamute ouais. serait déjà stackée en fait. T'es tellement feed là, il faut se rendre compte. En fait, et l'avantage de Karim aussi, c'est que si t'as pas de potentiel gank, tu peux juste farm, tu peux faire pareil que Karthus, tu sulfates la jungle, tu fais que ça. Ouais, ça clear bien et ça scale bien, donc. Par contre, en very very late game, je pense que c'est un peu faible. Genre à 6 items. Bah, préfère avoir autre chose. L'avantage aussi d'avoir la vertu, c'est que bah, t'as quand même ce côté un peu plus teamplay que t'auras pas forcément sur un Karim Eclipse. Ça. Ah, Karim Eclipse, toi. Oh, le Z. Oh non. Oh, le Z qui me donne de l'armure. Putain. Le Z qui me donne de l'armure et qui me sauve. Merci, Rajah, d'avoir fait ce changement. Oh, Kindred, on en peut plus. Hein. Kindred, ça me saoule. Oh, la vidéo, elle pue la merde, du coup, mais... Bah non, elle est cool, moi je la trouve cool. C'est une game qui est plutôt serrée. Quand tu vas avoir la vertu que tu vas go in et que, avec un R et que tu auras 600 HP supplémentaires. Déjà, quand j'aurai Shojin, ça va être la fiesta. Hein. C'est juste que Yumi, c'est fatigant. La Kindred, elle est censée mourir ici, hein, vraiment. Mais bon. Et elle avait un petit chat. Elle avait l'item supplémentaire. Il y a McMurphy qui me demande si Vi, Diana et Sejuani, c'est un bon pool pour commencer. Je trouve que c'est un bon pool de jungle, et il est facile en plus, donc c'est plutôt cool. Vi, je la spam. Trop fort, Vi. Trop, trop, trop fort. Je la joue même pas Radiante en solo queue. Je la ils vont la nerf, là et... Ouais, enfin, puis... enfin. Ouais, mérite, frère, fait trop le champion fait trop de dégâts. Ça fait un petit moment que c'est top tier, il fallait qu'elle prenne un nerf, quand même. On va aller farmer une wave top pour la Shojin. Et ensuite, on va. J'en ai besoin, mon ref. Et ensuite, on va aller jouer le dragon. C'est normal que je galère à faire mon premier clear avec Karthus. Bah, c'est les premières games, c'est normal. Il y a des gens qui testent les champions. Il y a beaucoup de gens qui testent les champions dans les vidéos. Ça fait super plaisir. Ça fait plaisir. Mais alors, tester un outil d'entraînement, vous n'êtes pas obligé de faire pixel comme moi, genre le pattern de QQ, auto-Q, auto-Q. Ça, c'est pas. Enfin, ça sera mieux. Parce qu'en soit, plus vous clearez vite, moins vous perdez de l'HP en soi, mais bah déjà vous prenez une potion, vous prenez de l'armure en rune si vous galérez, et ensuite bah vous prenez un pool tout simplement. Genre c'est bon, c'est du coup c'est un peu moins bien, mais il faut commencer quelque part quoi. Point que le nerf Wukong est vraiment mérité. Hein. Quelle abomination de champion. Après moi je t'ai dit, hein, je joue Karthus en Wukong, ça me rend très heureux. Hein. Ouais mais moi je voulais jouer que des AP moi, donc ça me dérange pas tant que ça, mais bon. Oh, les dégâts que tu mets à Jinx avec Alamps avec Shojin. Oh putain. Ah. Attends, mais même avec la Yumi. Dis-toi que la Yumi vient lui donner 80 d'armor et tout là, c'est une dinguerie. Hein. Ouais, le problème c'est quoi la Yumi, voilà, mais bon. Moi je fais Karim Shojin quoi, donc bon. Je savais qu'elle aime biser. Non, mais tu sais que en vrai c'est une dinguerie parce que là en plus, maintenant tu vas commencer à build la tankiness. Donc en plus tu vas faire des dégâts et tu vas tanker de fou et te donner de la vie supplémentaire et d'huile, je crois. C'est ça. Là, on va bien s'amuser. Hein. Et à ta team aussi, dans un teamfight. Je trouve ça fort vraiment de faire vertu en 3. Bon, tu m'apprends un truc, ça donne de l'armure, Yumi. Ouais, le R. Le R donne du shield et 80 d'armor et d'armure, je crois, comme ça. Oh. Bah, on en apprend tous les jours, dis donc. Mais le champion rend de la mana, donne du onit, rend des HP, et donne des shields sur R et E. Ah. Et donne des restes sur le R, je crois, elle donne 60-70 d'armor et RM. Je savais pour tout le reste, mais l'armure, j'étais pas au courant. Ouais, armor RM, les deux. Et genre, d'accord. C'est un pourcentage des résistances, je crois, ou un truc comme ça. Ça me paraît fort équilibré, dis donc. Pas mal, ouais. C'est pas uniquement son meilleur ami. Alors, c'est peut-être son meilleur ami, c'est peut-être un peu emballé. Mais bon, ça fait un petit moment qu'il est sur Kindred, donc ça doit être son meilleur ami. Ouais. Ah, on me dit ça a été enlevé au dernier patch. Ok, bah peut-être je me suis trompé. Ok, bon. Je donne peut-être de mauvaises data. Bon, dans tous les cas, si Kindred était en 1v1, comme dans la street, ça serait mort direct, mais bon. C'est une zoulette, comme dirait mon frérot Lafouine. Mais là, surtout, j'attends le gros R avec la vertu, genre, c'est n'importe quoi. Hop, t'as bien entendu pour mettre ton cul pour prendre le crypt, le kill, ça, c'est bien. Voilà, ça fait plaisir. Ça, c'est très important quand vous jouez Karim, vraiment, KS tous les kills. Bah, là, on voit quand même tu mets des dégâts de fou. Hein. Oh, elle a bien joué, la Jinx. Oh, mais tu vas mourir, hein. Non, bah c'est chiant, putain de Yumi de merde. Ah, mais Zeri, t'es pas dans le fight en fait. Ok. Ça, tu savais que le R de Yumi aussi, tu pouvais le contrôler maintenant. Tu pouvais changer la ouais, position. Ouais, j'ai vu, mais c'est automatique même, non. Ça va tout de suite tout seul vers les ennemis. Hein.
Ah bon? Si je dis pas de bêtises, oui, hein, c'est ça. Par contre, j'ai fait une game Yumi et j'avais pas besoin de contrôler l'heure, hein, ça target les ennemis tout seul. Hein. Non, quand même pas à ce point. C'est comme le Q de Milo. Hein. Milo, si tu le mets sur un creep, ça va tout de suite sur un ennemi. Hein. Ok. Si, bah, si, maintenant vois. On a plus besoin de jouer au jeu, Riot joue pour nous. Ils ont vraiment baissé le skill cap au max. Après, pour les débutants, c'est cool. C'est vrai que bon, après. Ouais, mais quand même. Là, faut quand même pas abuser quoi. Si après, c'est que sur toi, Yumi. C'est que sur Yumi. Et Milio, du coup. Et Milio, ouais, c'est vrai. C'est vrai que Milio, c'est pas très difficile. Le champion est cool. Non, on va pas faire une vidéo dessus parce que le perso est complètement fumé. Hein. Je te le dis. Ouais, j'attends encore un peu que les gens aient de la data un peu sur le champ, tu vois. Bah les masques, nous, on le first pick en team. Hein, donc. Le perso est complètement fumé. Pas Emilio, Milio. Tu m'as dit Emilio, point d'interrogation dans le chat, ça va lui bien. Ok. Oh, il est oh, qu'il est gourmand. Ah non, dommage. Flash, c'est. Attends, t'as combien de la vertu là? T'es à 1000 gold, non, truc comme ça? Un peu moins. Il manque 300, même pas 200, je crois. 23 000, 3 items, 16. C'est pas mal quand même. Surtout que c'est pas des items qui coûtent pas cher. Ouais, c'est ça. Là, Shojin, c'est extrêmement cher pour comme item. Bah, en fait, ça coûte aussi cher qu'un mythique, quoi. Et c'est... Après, c'est extrêmement fort. Oh putain, que oui. Après, là, du coup, je pense que je vais faire anti-heal next. L'épée Shampunk est toujours aussi forte sur Ikarim. C'est correct. En vrai, l'item a pris sa part, mais bon, Death Zen, c'est nul. En vrai, de vrai, j'aime pas du tout l'item depuis les nerfs. On verra prochain patch si c'est mieux. Hein. Mais actuellement, l'item est vraiment faible. Et juste, bah, y a Yumi, Kindred, Cassio. Bon, les trois mecs se heal. Je pense que l'anti est nécessaire. Pour ceux qui arrivent, les gars, je vois qu'il y a une question par rapport à Eclipse. Alors, en fait, ce build-là, soit vous partez Radiant, soit vous partez Eclipse en 3, les gars. L'Eclipse, sans le mythique, est toujours en 3. Juste, ça dépend de votre game. Si vous voulez plus jouer teamplay et être très tanky, vous pouvez partir Vertu. Là, on veut montrer le build Vertu parce que c'est broken. Il faut se rendre compte qu'il a 3000 HP là. Hein. Déjà de base. Donc, après, ta team est en train de déchirer la game. Donc, peut-être on n'aura même pas le temps de montrer la vertu. Mais, c'est-à-dire que là, le champion, les gars, a énormément de dégâts. Et en plus, dès qu'il va give AR, ça va heal ses alliés. Et ça va le heal lui et lui rajouter des HP. Donc, sachant que t'as déjà 3000, je trouve ça quand même plutôt correct, quoi. Quand je vais ulti, je vais monter à 3500, peut-être quelque chose comme ça. Oh, non, c'est chiant si la game est finie. Ah, mais, on va tuer Yumi dans la base. Ah ouais, je crois que c'est... Voilà, elle mérite. T'as même pas regardé combien t'as gagné, mais voilà, du coup, en plus, la game est cool, je vais quand même la mettre sur YouTube. Mais du coup, c'est très très fort parce que du coup, vous allez pouvoir profiter en plus d'être très utile en team avec cette vertu radieuse. Là, en vrai, si j'ai pas la radiante, je ne peux pas tuer la Yumi. Parce que je suis monté au-dessus des 3000 HP et du coup, ça m'a permis de tanker un coup de fontaine en plus. Voilà, donc achetez ce stuff, vous pourrez tuer Yumi dans la fontaine.